Salut à tous, dans cette vidéo on se motive pour faire de la guitare tout seul. Courrier des lecteurs. Cher Romain, je t'écris ce courrier pour te faire part de mon admiration profonde. Ta modestie n'a d'égal que ta magnificence. J'adore la guitare, mais il y a un moment faut être réaliste. Je suis tout seul, et tout seul, je sais jamais quoi travailler. Guitare tout seul? Faut en profiter, faut composer. Hein, la semaine dernière, j'ai fait une super vidéo pour te donner un coup de main pour composer avec ton guitare cookbook. Je n'ai malheureusement pas d'argent à dépenser pour acheter tes antisèches. J'ai pensé pour acheter tes antisèches. De toute façon, j'ai pas envie de composer. Hein. Pas envie de composer. Mais je suis tes vidéos sur YouTube. Voilà, t'as accès à YouTube. Si t'as accès à YouTube, tu joues sur des backing tracks. Hein. Par exemple, ceux de Sébastien Zunino. Sébastien, il met des backing tracks tous les jours de très bonne qualité. Hein. Voilà, donc c'est pas compliqué. Je suis des vidéos sur YouTube, même si ce n'est pas facile de m'isoler, car l'ordinateur familial est exploité par mes 14 frères. Je n'ai jamais le temps. T'as pas le temps, tu peux pas t'isoler. Prends ton petit téléphone, ton petit câble. Ouais, bon, on est dans les bouchons, ça avance pas, gueule pas, hein. Elle est headless, hein, dans la bagnole. Bon, ok, j'abuse un peu. Je peux trouver du temps, mais j'aime pas improviser. Bah, si t'aimes pas improviser, joue la musique des autres. Et bah tu repiques à l'oreille, regarde, tu prends de la musique qui défonce là, pas forcément compliqué, voilà, et puis tu reprends ça à l'oreille quoi, tu vas merder 20 fois, et puis ça va te faire travailler ta gratte et ça va te faire travailler ton oreille. Feu! Ma guitare, mon chien l'a mangé. Alors je ne peux pas travailler la musique. Pas de guitare, pas de guitare, bah tu peux chanter, hein. Et puis si dans le métro les gens ils te regardent bizarrement quand tu chantes, et bah tu peux toujours taper du pied et puis claquer les doigts discrètement dans ta poche, hein. Ça peut être un challenge suffisant, genre 4 pour 3. Voilà, 4 pour 5. Pour 7. De toute façon, je ne pense pas trouver le temps. Et je ne suis pas sûr d'être fait pour la musique. Ah ouais, non, mais c'est bon. Ok, je vois le genre. Ok, très bien.
Si tu veux te trouver des excuses pour pas faire de la zik, tu vas en trouver plein. Hein. Moi, j'ai tendance à dire que les excuses, c'est comme les dessous de bras. Hein. Tout le monde en a au moins deux, et ça pue. Voilà. Alors, Beethoven, il était sourd. Il faisait de la zik de ouf. Hein. Mais c'était vieux, nani nana. Ok, aujourd'hui, Jason Baker, il a plus que ses yeux, mon pote. Ok, il peut pas bouger, il peut à peine respirer. Et le mec, il écrit des symphonies de Guedin. Ok, donc, si tu veux pas jouer, tu joues pas, mais t'arrêtes de chouiner. Hein. Les chouineurs, c'est des losers. Si tu veux faire de la zik, tu trouveras une solution pour en faire. Voilà. Non, mais il m'a saoulé, l'autre, avec sa lettre, là. Sérieux. Et là, si tu veux faire de la zik, tu trouves des moyens de faire de la zik. Si t'as pas le temps, eh ben, tu trouves du temps. Je suis désolé, ouais, ça pique, mais y a pas d'autre solution. Non, mais l'horloge, elle tourne. Hein. Hein, dans plus ou moins 80 ans, on sera tous morts, les gars. Donc, entre tout de suite que vous êtes vivant et le moment où vous serez dans une petite boîte, si ça vous plaît vraiment de faire de la gratte, eh, trouvez pas d'excuses, hein. Trouvez des solutions. Bon, allez, à la semaine prochaine! Eh ben, on n'y est pas encore.